priorité de leur demande, c'est qu'on réponde à leurs besoins, à leur cahier des charges, pour qu'ils nous disent « je veux installer telle puissance pour telle surface IT » et je vais y répondre. Et après vient le deuxième enjeu de la partie performance énergétique où ils cherchent à avoir le moins de coûts possible, en tout cas réduire au maximum ces coûts-là. Et nous, on les accompagne typiquement dans la partie rédaction de leur programme, ça veut dire qu'on les accompagne pour rédiger l'expression de leurs besoins concrètement d'un point de vue technique. Et ensuite, s'ils le souhaitent en fonction de la typologie de mission, dans la réalisation et la mise en exploitation de ces data centers-là. Parler de cette thématique-là. Alors, ce n'est pas tout à fait la réalité. Les personnes aujourd'hui qui sont sensibles, en tout cas qui sont dans le domaine, ils savent ce qu'il en est. Ils savent que concrètement, un data center, quand c'est bien exploité, bien optimisé, au final, ça ne consomme pas tant que ça. En tout cas, c'est très cadré, très optimisé. Il n'y a pas de consommation ou de surconsommation excessive. Et je dirais plutôt qu'aujourd'hui, c'est un mythe. Aujourd'hui, les collectivités, en tout cas les acteurs qui travaillent dans les collectivités, sont de plus en plus conscients de ça. Alors pour la partie politique numérique responsable, ce qu'il faut savoir, ce qu'on fait généralement avec nos clients, c'est qu'on cherche à savoir quels sont leurs enjeux stratégiques, où est-ce qu'ils veulent mettre le curseur, est-ce que c'est juste à leur échelle, enfin à l'échelle juste d'une DSI, à l'échelle d'un data center, ou est-ce que c'est vraiment à l'échelle de toute la collectivité, tout le territoire. Et par la suite, on les accompagne dans la rédaction de cette politique-là pour définir sur quel axe ils souhaitent travailler. Est-ce que c'est sur un axe de décarbonation? Est-ce que c'est sur un axe de sobriété énergétique? Est-ce que c'est plus sur un axe de communication et de sensibilisation de leur partie intéressée? Et par la suite, on définit une feuille de route et qu'on met en œuvre au fil des années.